Je m'appelle Célie ou Echo en théâtre sport. J'ai 27 ans et je fais partie d'une association de théâtre. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter justement votre association ? Oui, alors cette association s'appelle les Déjantés du Théâtre Sport. C'est une association qui a été créée il y a quelques années. On est une association de Vitrolles. Et en fait, notre objectif, c'est de créer des histoires devant des spectateurs à partir des thèmes qu'ils ont eux-mêmes inventés. Et notre but, c'est en fait de faire vivre leurs thèmes en équipe. En fait. Le concept de l'équipe est vraiment très important. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de votre association ? À travers pour transmettre à ces jeunes. Ce qu'on voudrait transmettre, en fait, c'est vraiment l'idée que improviser, c'est accessible à tous, en fait. À partir du moment où on arrive à mettre notre cerveau de côté, on est tous capables de faire ça. Et pour ça, on a besoin d'avoir du monde qui vient avec nous. Parce que c'est vraiment important d'être tous ensemble pour pouvoir créer toutes ces histoires. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous joindre, un local, un Facebook ? Alors on a un site internet qui s'appelle Les Déjantés. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, Les Déjantés du Théâtre Sport de Vitrolles. Et en ce moment, on est dans les locaux du Théâtre de Fontblanche, en fait. Donc on joue, on s'entraîne en fait tous les jeudis à partir de 19h30, donc à la salle de Fontblanche.